Anna sotto luna, Laura mina, tamana wa gururna warana. Momkin yakun fi salam, wa haykun fi salam. لازم نكسر خوفنا جوا ونحرر كفوفنا. ممكن نتعلم ممكن نكبر، بس لو we'll be right back.
des gens qui n'ont pas su quoi appeler cette musique. Normalement, c'est les Européens qui ont cette difficulté. Mais normalement, quand je rencontre des Algériens ou bien des Marocains là-bas à Paris ou another place in France, n'importe où en France, ils disent « Ouais, mais c'est arabe, quoi, c'est une musique arabe. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est techno beat ou quelque chose ? Parce que ça n'a rien à voir. C'est plus proche de la musique raï que techno, danse, que... Bon, spécialement l'album Halim. Mais c'est pour ça que moi, I think a good name is new raï ou nouvelle raï, quoi.
فين الغفران فين الغفران والقلب المليان ايام ايام بتعدي زي الهوى زي الهوى فين الغفران فين الغفران والقلب المليان ايام ايام بتعدي زي الهوى زي الهوى بلاش 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 ناسب كلامنا امل خليني خليني وركنا لنا بلاش الاسف كلامنا امل بلاش الاسف كلامنا امل ونشدنا امنا ونشدنا امنا ونشدنا امنا ونشدنا امنا j'avais fait, c'était avec deux types de l'Angleterre. Ils faisaient quelque chose, une espèce de balero beat. Mais après ça, j'ai commencé à travailler avec Joe Wamolosa. J'étais avec lui pour presque 2 ans. Ça, c'était vraiment le début de travailler professionnellement.
عايشة من روحك وحياتي دايرة في وجودك وحياتي دايرة في وجودك. الحياة جميلة في عانك أنا بحلم بيك دايما دايما أهواك ودايما أهواك كده عارف ليه. الحياة جميلة في عانك أنا بحلم بيك دايما دايما أهواك ودايما أهواك كده عارف utilise les gammes arabes, même si on, parfois on les transpose. Three notes up or three notes down. Mais on utilise des rythmes arabes aussi. Et puis cette mélange avec le techno. Le technoïsme, c'est pour moi, c'est les effets du studio. C'est la modernité qui vient des effets du studio et les machines qui peuvent enhance, comment on dit enhance, qui peut augmenter une musique ou bien pas augmenter.
Oui. En fait, pour l'instant, Tim et Hamid de Trans Global, qui sont le, qui avec moi écrit la musique pour Natasha Atlas, ils sont en train de faire des remixes pour les grands artistes égyptiens, mais des Égyptiens, des artistes, des chanteurs de maintenant, comme Hakim, des chanteurs qui sont le pop music de l'Égypte, qui fait le pop music de l'Égypte. Ils ont fait des remixes pour eux parce qu'en fait, ils savent retenir cette essence musico-arabe avec les violons et avec les gammes arabes et tout ça, et aussi mettre un peu de technoïsme. Tim et Hamid de Transgo, ils peuvent bien comprendre comment retenir cette ambiance arabe, de faire quelque chose qui est moderne, mais aussi qui n'est pas pastiche, quoi. C'est pour ça que cette compagnie de disques égyptiens, ils ont demandé qu'on fait ces remixes-là, parce qu'ils veulent avancer dans la modernité, mais ils n'ont pas toujours les moyens. Bon, ils ont des studios qui peuvent faire ça, mais ils n'ont pas des gens qui ont l'expérience qu'en fait Tim et Hamid, ils ont. شوفتك في الزكري كأنك في بعض كأنك مسحور.
Merci beaucoup.